Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute petite vidéo. Je vous propose de réaliser cette fois-ci des étiquettes cadeaux avec peu de matériel, notamment, ce tuto est parfait pour utiliser toutes nos chutes de papier. Et en dehors des chutes de papier, je pars du principe quand même, hein, que tout ce qui est emballage cadeau, étiquette cadeau, ça part souvent à la poubelle, hein. Voire c'est quasiment systématique, ça part à la poubelle. Et comme j'aime pas trop le gaspillage, mais que j'aime quand même bien décorer mes petits emballages cadeaux, chaque année je fais des petites séries d'étiquettes comme ça, avec mes chutes. Comme ça, j'utilise vraiment mon matériel jusqu'au bout. Et comme ça, moi je suis contente, mes emballages cadeaux sont décorés. Et en même temps, bah voilà, c'est pas non plus bourré de décorations, d'embellissements qui coûtent des fois cher et qui finissent à la poubelle. Pour réaliser mes étiquettes cadeaux, je vais utiliser cet album de stickers. Donc c'est de la collection Berry Christmas d'Artemio. Dans ce petit album de stickers, vous avez 168 stickers. Donc vous avez carrément de quoi faire pour réaliser vos emballages cadeaux. Pour ces stickers-là, on va utiliser des petites étiquettes au format rond. Ouais, c'est ça, la perforatrice, c'est une 2 inch, donc c'est environ 5,5 cm de diamètre. Et j'ai, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai utilisé mes chutes de papier. C'est pour ça qu'il y a des ronds de toutes les couleurs. Il y a un peu de bleu, du gris, du papier cra... papier craft, non, papier calque, pardon, et un peu de papier à motif. Et pour la seconde série d'étiquettes que je vous propose, j'ai tout simplement utilisé la feuille de papier avec tous les tags, donc de la collection Berry Christmas. Je les ai tous découpés, donc je ne vais pas tous m'en servir, mais je pense que vous comprendrez très vite le principe. Il n'y a pas besoin que je vous montre les 24, hein. Du coup, j'ai découpé tous ces petits tags. Et en plus, pour histoire d'écrire un petit mot, parce que bon, j'aime bien écrire aussi des petits mots, hein, sur mes étiquettes cadeaux et non pas que le nom ou le prénom de la personne à qui il est destiné, j'ai découpé, toujours dans mes chutes de papier, des petits rectangles au format 6 par 8 cm qui vont me permettre d'écrire mes petits mots et qui vont accompagner mes petits tags. Du coup, c'est parti, on va s'attaquer à nos petites cartes, enfin nos petites étiquettes. Donc, dans un premier temps, je colle mes petites décos comme ça rondes sur mes étiquettes rondes, hein, voilà, tout simplement. Donc, j'essaye d'harmoniser un peu les couleurs quand même, c'est un peu plus sympa. Mais au final, ce n'est vraiment pas ce qu'il y a de plus important. De plus, en faisant ces petites techniques-là, vous allez voir, hein, j'ai su réaliser une bonne vingtaine d'étiquettes cadeaux en 15 minutes. Donc, c'est vraiment très rapide en soi, hein. Et au final, je me suis dit que j'aurais peut-être dû, ou peut-être que je le ferai plus tard, hein, on verra bien. Mais elles sont parfaites, ces étiquettes cadeaux, pour réaliser tout simplement des étiquettes pour mettre sur un calendrier de l'Avent. Par exemple, pour une scrap copine, on met un petit indice derrière, un petit numéro, et ça fait amplement l'affaire et c'est tout aussi joli. Donc voilà pour mes petites idées, hein, si ça vous intéresse. Voilà, je vous les partage. Si vous avez d'autres idées ou d'autres astuces, hein, pour réaliser des étiquettes cadeaux rapidement et facilement, avec peu de matériel, n'hésitez pas à nous le partager d'ailleurs en commentaire. Du coup, je vous laisse un petit peu en musique et on se retrouve en fin de vidéo pour voir le résultat.
Ensuite, on va passer à notre ficelle. Donc, dans un premier temps, je pensais utiliser la ficelle de papier craft, là que je vous voyais en vidéo, pour faire des sortes de petites ficelles qui dépassent, hein, pour accrocher mes étiquettes ensuite à mes emballages cadeaux. Et au final, vous allez voir, hein, je vais changer. Je vais vous montrer à la fin le résultat avec de la ficelle de lin. Tout simplement parce que déjà la ficelle de lin était beaucoup plus fine, donc c'était plus sympa. Et en plus de ça, le ruban de papier craft, alors il est très sympa, sauf qu'il y a un fil de fer au milieu. Et du coup, c'est hyper rigide et je trouve pas, enfin, je trouve vraiment pas ça très beau. Donc c'est pas grave, j'ai une autre idée pour m'en servir, donc je m'en servirai autrement. Mais voilà, je m'en servirai autrement. Mais vous inquiétez pas, hein, si vous n'avez que de la ficelle ou même de la laine, ça fait entièrement le travail et puis ce sera tout aussi joli. Donc voilà le résultat de toutes mes petites étiquettes cadeaux, prêtes à être utilisées. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous. Bye bye!